Salut Raiders, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legends. Et pas n'importe quel guide champion aujourd'hui, nous allons parler d'une game changeuse. Vous avez été nombreux à me demander que je fasse un guide sur elle. Je me suis dit, il était temps. On va parler aujourd'hui de Madame Prophétesse. Je dis bien Madame, puisque Prophétesse, comme je le disais, est vraiment game changeuse. C'est la reine absolue de tout ce qui est nettoyage de mobs, de vagues. Et elle est utilisable quasiment partout en mode totalement god tier. On parle pourtant d'une championne épique, et ce que je vous propose, c'est évidemment qu'on aille la découvrir ensemble, voir ses compétences, comment la stuffer, comment la maîtriser, et qu'on aille bien sûr la tester dans la foulée. Allez, on va aller la découvrir tout de suite, c'est parti. Alors, notre dame prophétesse, c'est une championne d'affinité néant, ce qui la rend un peu plus compliquée à obtenir, mais nous parlons d'une championne épique, comme on l'a dit. Donc je sais que certains d'entre vous courent après depuis un moment, d'autres ont la chance d'en avoir plusieurs. Je vous dirais une, voire deux, mais déjà une fait totalement le taf. Et donc il y a évidemment des roulements qu'on verra par la suite qui sont très intéressants à utiliser avec elle. Alors, notre dame prophétesse, elle a une compétence de base assommée, attaque un ennemi, possède jusqu'à 20% de chance d'accorder un tour supplémentaire. Donc si on la book, on va augmenter ses dégâts. Et on va passer effectivement à 20% de chance de jouer un tour supplémentaire. Une chance sur 5, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et ça peut, attention, c'est un petit peu le risque, on va dire, casser un peu vos roulements si vous êtes amené à faire cette compétence-là. Donc il faut quand même être vigilant. On va aller ensuite voir sa compétence numéro 2, bannière de clan. Place pendant 2 tours un buff d'augmentation de tokri de 30% sur tous les alliés et pendant 2 tours un debuff d'affaiblissement de 25% sur tous les ennemis, cooldown de 3 tours. Donc d'un côté on augmente le taux critique, de l'autre on affaiblit tout le monde avec un petit 25%. Bon voilà, c'est tout à fait propre. Pour notre dame prophétesse, ça n'a pas un intérêt majeur, mais on prend un petit affaiblissement et l'augmentation de taux critique. Ce qui fait que Prophétesse est évidemment folle, c'est brûlure karmique. Alors, on va bien lire, et c'est là où il va falloir se concentrer sur cette compétence, c'est qu'il y a des petites subtilités. Elle retire tous les buffs de tous les alliés et de tous les ennemis, puis attaque tous les ennemis. Les dégâts augmentent en fonction du nombre de buffs retirés. Possède 50% de chance de placer un debuff sommeil d'un tour sur tous les ennemis. Les chances de placer un debuff sommeil augmentent de 5% pour chaque buff retiré. Inflige moins de dégâts au boss. Donc effectivement, il y a une notion de minoration pour les dégâts de boss. Alors, cooldown de 4 tours. Ce qu'on peut regarder, c'est que déjà, c'est des dégâts qui sont basés uniquement sur les PV max ennemis. Donc, pas d'histoire d'attaque, pas d'histoire PV, pas d'histoire de défense, que les PV max ennemis. Et pour que ça puisse être fait, il faut... Enfin, les dégâts sont augmentés en fonction du nombre de buffs retirés. Donc, plus vous avez de buffs sur vous et vos ennemis, mieux c'est pour faire des dégâts. Et si vous voulez effectivement optimiser les chances de faire du sommeil, donc c'est 50% de base et 5% de plus pour chaque buff retiré. Bien, l'objectif, c'est pas forcément de penser au sommeil, c'est surtout de cleaner en one shot l'ensemble des ennemis en face, puisqu'on n'a pas de problème d'affinité. Et pour ça, il va vous falloir du buff en face. C'est vraiment brûlure karmique, c'est vraiment de la folie. Et puis, elle a une petite aura qui augmente la résiste dans toutes les batailles de 50 pour de 40 pardon pour l'ensemble de vos alliés. Donc ça, c'est un élément important. Alors, j'étais en train de regarder pour vous donner ses multipliers attaques. Alors, sur son A1 assommé, même si ça a assez peu d'importance, elle est sur 3,8 fois l'attaque. Bon, c'est correct sans plus, c'est pas vraiment sur ça qu'on va se concentrer. On va parler surtout de brûlure karmique, puisque le A2 n'est pas une compétence active. Là, alors c'est un petit peu compliqué la formule de calcul. Si ce n'est pas un boss, ça va être en fonction des HP max de l'ennemi, fois, entre parenthèses, 0,1 plus 0,03 des buffs retirés. Ça parle pas grand chose, ça veut pas dire grand chose dit comme ça. Pour autant, ça fait des dégâts monstrueux et le nombre de buffs a une importance capitale dans cette histoire. Sur les ennemis de type boss, c'est 0,1 plus 0,005, donc il y a une virgule, on va dire,
un petit peu plus éloignées pour chaque buff retiré sur les boss. Donc bref, encore une fois, vous cassez pas trop la tête à faire des calculs là-dessus, je vous les donne à titre informatif. C'est pas hyper clair là concernant, pour d'autres c'est beaucoup plus clair. Ce qui compte, c'est qu'il va falloir très clairement se concentrer sur les buffs retirés. Et donc on l'a dit, ces dégâts sont basés sur les PV max ennemis. On s'en fiche de l'attaque, on s'en fiche de tout le reste. Donc, prophétesse, comment on peut la stuffer? Deux possibilités. Ce que je vais vous recommander idéalement, c'est le sauvage. Ça vous permet de vous garantir un nettoyage vraiment avec l'ignore défense, parce que autant là votre attaque n'a pas d'importance, autant tout ce qui est dégâts critiques sur brûleur karmique et l'ignore défense a de l'importance. Donc sauvage reste un idéal. Maintenant, si vous avez un stuff de malade mental avec énormément de dégâts critiques, à ce moment-là, pourquoi pas imaginer un implacable, certains le font. Maintenant, moi je suis plutôt partisan d'un sauvage. C'est déjà assez compliqué de la stuffer, dame prophétesse. Voilà, donc dans l'idée, ce que je vais vous recommander, c'est pas mal de PV. Sa défense, elle est assez basse de base. Donc ça sert à rien d'aller chercher des kilos dessus. Moi j'ai mis de l'attaque, si vous avez du mal avec la survivabilité, oubliez complètement l'attaque avec elle. Ne mettez que des PV de la défense. Par contre, 100% de taux critique, ça c'est une nécessité. Et minimum, si vous le pouvez, 230-240% dégâts crit si vous voulez vraiment faire du nettoyage, effectivement, de zones efficaces. Autre élément important, alors la vitesse, c'est pas mal d'en avoir une 160-170, si vous pouvez aller au-delà, tant mieux. La précision aussi est importante, 250 minimum si vous visez les étages 20, et jusqu'à 350 si vous visez les étages de la tour du malheur difficile sur les derniers niveaux. Donc je le répète, primordial, taux critique, dégâts critiques à 240 et taux critique à 100. Précision 240-250 avec 350 si vous voulez aller sur la tour du malheur difficile. Et la vitesse 160-170 minimum. Vous pouvez aller en dessous, mais après voilà, ça va être vraiment très lent. Même si ça peut très bien se faire, vous aurez surtout des problèmes sur la tour du malheur justement pour l'utiliser convenablement. Et après l'attaque, on s'en fiche, un max de PV et de défense, moi elle est plutôt bien accompagnée, donc j'ai mis un chouïa d'attaque histoire de dire, mais pff, à 2866 ça fait pas grand chose comme dégâts lorsqu'elle tape sur son A1, puisqu'il n'y a que son A1 qui est concerné par des dégâts sur l'attaque. Donc je suis parti en sauvage et avec un stuff broken sur le reste, avec de la vitesse, taux critique, précision, dégâts critiques sur cette arme, dégâts critiques, taux critique, vitesse sur ce casque, le bouclier est en vitesse, dégâts critiques, précision, taux critique. Les dégâts critiques, enfin le gant est en dégâts critiques avec sous-stade taux critique, vitesse, précision. PV pourcentage pour la pensière, parce qu'elle a une très grosse base PV pour une championne épique et très faible en défense. Donc c'est surtout les PV qu'il faut lui mettre en pourcentage. Donc là je suis parti sur du PV pourcentage avec taux critique, vitesse, vous voyez sinon elle n'est pas très jolie, avec double proc sur les stats attaque. Et les bots sont en vitesse, sous-stade taux critique avec un peu de PV pourcentage, précision. Pour l'anneau, j'ai mis de l'attaque, pas un grand intérêt, ça aurait pu être un, voilà, un def par exemple, avec du def et PV pourcentage de base, comme je vous le disais. Dégâts critiques, ça c'est essentiel pour l'amulette, avec si possible de la précision sous stat et de la précision en bannière, avec de la vitesse en sous stat si possible et un peu de PV pourcentage si vous le pouvez. Alors, on va aller voir ses maîtrises, et pour ça, hop, on va aller enlever ma tête pour que vous puissiez bien les voir. Alors, là, on est sur une branche attaque-soutien. Vous voyez, j'ai même pas terminé sur la branche soutien. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt en soi. Donc, sur la branche attaque, très important, taux critique, dégâts critiques, augmentation des dégâts lorsqu'elle a tous ses PV, lorsqu'elle tue chaque ennemi, augmenter sa vitesse. Ça aussi, très important, 8 dégâts d'augmentation, enfin 8% de dégâts sur les premières frappes lors de chaque ennemi, puisqu'elle va taper à chaque fois une fois, normalement. Ça on s'en fiche un peu, mais c'est pour aller chercher l'augmentation des dégâts sur les cibles ayant plus de PV max. Ensuite l'augmentation des dégâts dès qu'elle tue des cibles, très important. Celle-ci on s'en fiche un peu, bouclier sanglant, mais ça nous permet d'aller chercher soit des dégâts critiques, soit vous pouvez aller chercher un fracas crâne. Alors moi je suis plutôt parti chercher sur dégâts critiques parce que je voulais que mes runs soient stables. Le problème effectivement avec une prophétesse sur fracas crâne, c'est que si vous comptez que ça ignore la def, et que, vu qu'il y a 50% de chance que ça ignore 25% de défense,
ça va être un coup sur deux, vous allez nettoyer ou tout ou pas nettoyer. Moi, mon objectif, c'était d'arriver à nettoyer sans cette maîtrise-là. Donc, j'ai fabriqué mes stats en conséquence et j'ai préféré aller gratter des dégâts critiques sur exécution impeccable. Maintenant, ici, ça s'entend si vous avez atteint un stade de dégâts critiques suffisant. Hein. Moi, ça me suffit, vous voyez, vu comment elle est stuffée, ça nettoie en one shot l'essentiel des vagues de la tour du malheur en difficile sans difficulté. Ensuite, je suis parti sur la branche soutien pour gagner de la précision un maximum, du compteur de tour lorsqu'un debuff est retiré ou expire, et la réduction du compteur de tour sur son 1, ça c'est important, ça peut servir dans certains domaines de jeu. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour Dame Prophétesse au niveau de ses maîtrises. Désormais, on va aller découvrir ce qu'elle vaut de manière générale. Alors, je sais que certains l'utilisent en arène. Pas grand fan, on va quand même faire un ou deux tests pour le fun, mais c'est pas vraiment, à mon sens, son domaine de jeu. On va plutôt aller voir justement après où elle sera efficace. Alors, on a des teams qui sont très faibles, hein. Je suis resté à l'horizon hors 4 là. Alors, on va imaginer. Donc pour l'accompagner des champions qui font pas mal de buffs, qui c'est que nous avons en la matière? Nous avons Helmut ou également notre ami Mage de Mausolée hein, qui font vraiment des bons binômes. Évidemment avec Lydia. Là ça risque d'aller vite, alors on va aller quand même retirer réduire la vitesse. Hop. Et puis on va partir sur Prophétesse. Et dernière en affinité. Néant, elle est là. Voilà. Alors on va pas commencer en auto. Je vais garder la main dessus. Pour éviter. Hop. Alors, les dégâts sont basés sur les PV max ennemis, hein, les amis. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pas de réduction de défense et d'affaiblissement en face. Donc, c'est pas gagné que je fasse un nettoyage en bonne et due forme. Vous voyez, là, ça ne suffit pas. Ce qui veut dire qu'effectivement, très clairement, la réduction de défense est absolument essentielle. Alors, on va faire attention de ne pas redescendre en dessous. En dessous de or. 4. Et on va les retenter justement cette fois-ci avec de la réduction de défense. Alors, on met les buffs qui vont bien. Et là, normalement, alors il y a du buff en plus en face, ça va nous arranger. Et là, vous voyez, les dégâts sont quand même bien plus conséquents. Il nous a permis de nettoyer en face. Voilà, donc il y en a certains qui l'utilisent en arène maintenant. Je vous dirais, elle est utilisable en arène vraiment quand vous êtes en début-milieu de jeu. Voilà, à la limite, ça se discute. À partir du hors 4, on la croise quasiment pas. C'est pas une championne qui est faite, à mon sens, pour faire du PVP. Ça, c'est une certitude. Il y a quand même du buff en face. Est-ce que ça va permettre à nettoyer Duchesse? Oui, on est parvenu à nettoyer Duchesse. En one shot, donc oui, elle peut faire quand même des dégâts, mais encore une fois, c'est pas vraiment son domaine de jeu. Bon, je vous aurais montré à quoi elle peut prétendre, on va dire, en arène. Elle fait quand même le boulot, on peut pas lui enlever, mais encore une fois, vigilance, c'est pas l'endroit où elle va exceller. Alors, on va aller justement la tester à des endroits où elle va exceller. Et là, on va parler des donjons dans la limite de l'étage 20. Même si on va pouvoir tester un peu plus, de manière un peu plus élevée ailleurs, et je vous montrerai. Alors, pourquoi dans l'étage 20? Parce que vous le savez, au-delà de 21-25, les boss sont limités en dégâts sur PV max à 10%, ce qui veut dire que Prophétesse va énormément être limitée sur ses dégâts sur les boss au-delà du niveau 20. Jusqu'au niveau 20, aucun souci, vous allez pouvoir vous faire plaisir sans problème. Donc là, on va accompagner avec des champions qui mettent pas mal. Hop! De dégâts, enfin pas mal de PV, pardon, enfin de PV de buff, je vais y arriver. On va les mettre un champion type Renégate
qui est capable de réinitialiser les compétences et de permettre à Prophétess de refaire le boulot assez rapidement. Et puis, on va utiliser voilà, un petit champion comme Venimage, histoire d'accélérer un peu le run. Et on va partir là-dessus. On va gagner un petit peu en dégâts. Allez, on avance sur l'étage 20. Donc là, vous allez voir, normalement, ça doit aller très vite. Même si je suis pas en... Voilà, plus de 260 000 de dégâts sur certains, ça passe impeccable. Donc là, on refait un tour pour rien. Hop, Prophétesse fait son A2. Voilà, là on a la réduction du temps de recharge et qui nous permet de repartir sur les compétences. Et on arrive donc du coup en 23 secondes sur le boss principal. Alors, dans l'idée, si j'étais... Là, je suis à 60 FPS et sur des qualités élevées, si j'étais vraiment en ultra... Sur le PC, je pourrais arriver en 17 secondes à peu près, voire même un peu en dessous si je dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même des différences notables, hein, cette histoire-là. Donc là, on a... On va éviter quand même de se faire killer parce que notre machette fait un peu trop de dégâts. Prophétesse est toujours debout. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va arriver à avoir des dégâts de Prophétesse? Non. Ça va cogner trop fort. Prophétesse est passé limite, les amis. Bon, là, on n'a pas énormément regardé de buff. On va quand même tester, voir ce que ça fait comme dégâts sur le boss. Ah, on arrive quand même à lui enlever 438 000. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. C'est, voilà, c'est très, très costaud. On va reprendre l'auto. Et donc voilà, une petite 1 minute 37, on est arrivé avec voilà Prophétesse MVP en termes de dégâts. On va enlever 2 secondes, vous voyez Machette qui a 1 561 pardon. Et donc Prophétesse qui fait très clairement l'essentiel des dégâts sur le golem. Sur le dragon, pareil, on va partir... Alors, on va peut-être partir sur du 25 pour vous montrer justement que... voilà, hop. Là, je vais partir sur le dragon 25. Donc, même si là, elle est limitée au niveau de dégâts sur les PV max, sur le boss, là où elle va continuer à être intéressante, c'est bien évidemment sur les vagues. Donc, même sur du niveau 25, elle est quand même capable, vous voyez, quasiment de nettoyer. Alors, on va essayer de garder les compétences. Normalement, ça passe. Hop, même si des fois on a des petits ratés. Voilà, donc là on a les buffs. Ça dépend effectivement. Des dégâts. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et de la réduction de def aussi. Il suffit qu'on ait une réduction de def qui n'a pas été posée. Donc là on a un petit couac, on arrive au bout de 33 secondes sur le dragon 25. En temps normal, il est quand même... On est quand même capable d'arriver beaucoup plus rapidement si on n'a pas de raté. Et là, vous allez voir, elle va être beaucoup plus limitée, puisque forcément, ses dégâts sont limités à 20%, enfin 10% des PV max. Et la difficulté, c'est qu'elle va même retirer les buffs qui sont importants pour nous, comme l'augmentation de vitesse, pour justement, cette fois-ci, aller chercher plutôt du poison. Ce que Zavia est capable de faire. Voilà, vous avez vu, là, les dégâts ont été quand même extrêmement limités, du coup. Et on devrait arriver, je crois que la moyenne du run est à 2,15, donc c'est pas fou avec cette team. Peut mieux faire, mais ça devrait quand même faire le boulot. Là, ça a été un peu plus conséquent, on a un peu plus de buff. Là, on est vraiment allé au plafond de ce qu'on pouvait faire en termes de dégâts de le dragon. Toujours la réduction de défense et d'affaiblissement hein, nécessaire sur ce boss. Une 57, on est quand même en dessous des 2 minutes. Et donc là pareil, on va regarder un petit peu les dégâts.
Donc on est à 1 870 000 pour Matchalhead, 1 766 000 sur Xavia, et Prophétesse qui est quand même largement au-dessus, mais parce qu'elle a fait le boulot sur les vagues, quand Matchalhead et Xavia ont fait le boulot sur le dragon. Donc ça se complète, les deux se complètent sans aucune difficulté. On a vu le dragon, on a vu le golem. Alors sur l'araignée c'est un peu plus réduit. Là, la team que je voulais vous proposer aussi... Voilà, on va aller partir sur la team... alors, c'est pas cette team-là, sur le 25. Finalement, elle est dans toutes les teams speedrun, même si on peut partir sur autre chose, si vous avez la chance d'avoir Xavia de Taurus, par exemple. Vous avez Ruel aussi, qui est capable de nettoyer les... Comment dire, les vagues de manière aussi rapide. Là, on voit quand même que c'est... L'avantage, c'est que c'est safe. Voilà. L'avantage, c'est que c'est safe. Et que ça fonctionne plutôt bien. Hop, voilà. Là, on attend le petit tour. Et nettoyage. Et au bout de 27 secondes, on est sur le chevalier du feu 25. Donc, ça fonctionne aussi très, très bien sur le 20. Vous l'aurez compris. Sur le... Même encore mieux, sur le 25, là forcément elle va être limitée sur les dégâts PV max, ça on le sait. Donc l'importance de la réduction du compteur de tours sur 1, c'est que ça va nous permettre justement de gagner par moment des précieux justement compteurs de tours pour pouvoir s'assurer d'aller au bout. Ça c'est une certitude, qu'il faut vraiment aller lui chercher cette maîtrise. Et donc là sur le 25, vous voyez, hop, elle nous enlève quand même 269 000 de PV. C'est pas... Encore une fois, c'est pas trop... Et elle devrait ressortir de très loin MVP en termes de dégâts sur ce boss. Même si c'est un petit peu long, je vous le concède, du fait qu'on soit sur le 25 et surtout qu'on est dans une méta pour éviter de le laisser jouer. Là, on arrive quand même à lui mettre 269 000. Pour l'instant, ça se passe bien parce que on a notre ami Krilla qui embarque charme à chaque fois pour la réduction du compteur de tours qui est limité donc à 50% par rapport à la normale. Ça ne permet pas d'avoir une seule charme pour faire le job. Et là, on devrait pas trop mal s'en sortir. Ouais, une 56. Plutôt un bon temps. Sur le chevalier du feu, étape 25. Voilà, donc là-dessus, elle est vraiment exceptionnelle sur ces trois donjons. Sur l'ordre de l'araignée, un peu moins. Encore une fois, on ne vise pas les petites araignées. Alors, on vise plutôt la grosse avec les petites qui brûlent. Donc ça, à la limite, voilà, je la vois pas forcément là-dessus. Alors, autre endroit où elle va exceller, très clairement, c'est aussi la tour du malheur en difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sur la tour du malheur en difficile? On va prendre un étage au hasard, hein, on va prendre l'étage 91 difficile. On va aller la mettre avec notre ami Kimar cette fois-ci. Kimar, où es-tu? Il est là. Et on va ajouter Dame Prophétesse là. Voilà, donc là par contre, il va falloir que je reprenne la main parce que je suis en train de restuffer mon Kimar. En partie, mais qui du coup malheureusement est plus rapide. Ouh, alors là ça va être compliqué, en plus on a des gros costauds. Potage des compétences actives. Non, peut-être pas bonne idée, je t'ai pas passé avec là sur le 91. Il y a des étages quand même où elle trouve ses limites, hein, parce qu'il faut qu'elle puisse avoir la garantie de jouer en première. Allez, on y retourne. Kimar. Prophétesse. Hop. On va dire que moi je l'utilise sans problème jusqu'à l'étage 60-70 en difficile quasiment, enfin sur tous. Et voilà, le boulot est fait. Arriver à l'étage 60-70 des 3 vagues, on va dire, de manière générale, enfin des 3 rotations, j'ai quand même besoin par moment de la sortir. Donc là, vous voyez, ça a permis de nettoyer sans aucun souci. Hop.
On va essayer. Voilà, d'endormir tout le monde avant. Ah, malheureusement, on a réveillé avec ce fichu machin à LED. Du coup, j'ai pas pu réinitialiser les compétences. C'est très bien, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de buffs là. Donc, il y a un calage à avoir. Hein. Là, le calage, il n'y est pas. On va pas se le cacher. Voilà, je finis par perdre prophétesse. C'est marrant, j'arrive mieux quand je suis en auto, à croire que je suis plus débile, les amis, que l'intelligence artificielle. Preuve en est. Voilà, regardez, là je lance tout. Voilà, on n'a pas tout nettoyé. Bizarrement. Donc on arrive sur la vague 2 avec Prophétesse. Et c'est parce qu'on avait récupéré la peur absolue avec Machaled. Ça va tout de suite mieux. Là, normalement, elle devrait le tour suivant récupérer. C'est attendu, prophétesse, toujours pas, donc c'est la prochaine. Comme quoi le run est pas hyper bien calé. Hein. L'idée c'est que normalement celui qui réinitialise vos compétences, évidemment, joue juste derrière prophétesse. Si vous voulez effectivement en utiliser deux pour vraiment optimiser les runs, l'idée c'est ça. Vous commencez par un champion qui pose des buffs. Ensuite, vous mettez, et donc idéalement, Lydia qui pose des buffs et qui réduit la def et affaiblissement. Donc Lydia en première. Ensuite, si vous avez par exemple quelqu'un en 7 bouclier dans la team, prophétesse. Ensuite, par exemple, une Renégate. Ensuite, vous pouvez, comment dire, réimaginer une prophétesse qui serait donc elle pour la deuxième vague et une autre Renégate. Ça vous permettra de nettoyer la vague 1 et 2 sans utiliser, on va dire, la dernière compétence de la dernière Renégate. Et donc, du coup, c'est au dernier tour de la vague 3 où vous pourrez le faire. Ce système-là vous permet de faire absolument toutes les vagues sans aucune difficulté, si tant est que vous avez assez de vitesse pour pouvoir le faire. Donc là, on voit, on ne va pas aller jusqu'au bout. Le calage n'est pas bon. Il y a des runs comme ça hein, qui ne passent pas en auto. Mais l'idée, c'était de vous montrer les dégâts qu'elle était en capacité de faire et de montrer qu'elle était capable de nettoyer sans aucun souci, mais qu'il y a forcément un calage à trouver. Et là, le fait d'avoir déréglé mon Kimar a quand même pas mal changé les choses. Donc on voit 715 445 en termes de dégâts, large devant ma chalède, de manière générale. Alors, autre endroit où elle va exceller, la crypte malheureusement n'est pas ouverte, c'est la crypte des orques. Hein, aucun souci. Alors le gros souci qu'on a par contre, c'est qu'on a beaucoup de champions pas beaucoup de champions qui posent des buffs dans la faction orc. Donc forcément, vu que c'est ce qu'elle a besoin, notre amie prophétesse, ça va limiter son intérêt. Mais par contre, au moins vous aurez le sommeil. Donc le fait de placer en sommeil, quand je pense aux vagues de Cetalia par exemple, avec Thénazil, qui sont vraiment une plaie, et bah, le sommeil va vous permettre quand même de gagner du temps. Donc elle est game changeuse aussi dans cette étape-là. Alors, on va aller lui donner des petites notes parce qu'elle les mérite, prophétesse. J'insiste bien sur le game changer. Pour moi, il y en a vraiment deux, voire trois qui sont game changer en épique. On a mangeur d'hommes pour le boss du clan. On a donc prophétesse pour les vagues. Et on a également Ceris pour tout ce qui est arène. Alors, on sait. Je vais passer sur prophétesse. Elle est là. Donc, prophétesse, les notes 2228. Je m'attendais à plus. Alors, sur l'attaque d'arène, 4,8. Alors, j'ai mis 3. Je vais quand même rester sur un 3. Alors, elle sera à 5 si vous êtes en début milieu de jeu, encore une fois, jusqu'à Gold 1, Gold 2. Après, elle n'a plus aucun intérêt. Plus aucun intérêt. Donc, je lui laissais un 3. Sur le dragon, c'est un grand 5.
Sur tout ce qui est donjon de potions, guerre des factions, c'est un 5. Pic du golem de glace, c'est un 5. Entre de l'araignée, ça sera un 3. Elle tape les petites araignées, ça ne nous intéresse pas. Sur le boss de clan, c'est pas du tout son job. Je vais même lui mettre un 1. Mais alors, pas du tout, du tout son job. Parce que de toute façon, ses dégâts sont limités sur ses PV max. Donc pareil, il n'y a pas un grand, grand intérêt. Minotaure, grand 5. Pas de souci. Chevalier du feu, je vais rester quand même sur un 5. Voilà. Parce qu'il y en a peu quand même qui sont quand même capables de nettoyer les vagues. Le donjon du néant, ça sera un 5. Le donjon de force également. Esprit également. Défense d'arène, c'est pas son job. Emplacement de campagne, pas vraiment son job. Ou alors il faudrait vraiment qu'on pense à deux champions, de toute façon, si on veut aller au plus loin. Non, je pense que c'est clairement pas son job. Et puis je vois qu'on a maintenant désormais les notes sur l'hydre. Sur l'hydre, je vais lui mettre un 3. Je vais tester une fois. Le problème, c'est que les dégâts sont limités sur PV max et qu'elle apporte du coup pas forcément grand-chose de plus sur l'hydre par rapport à d'autres. Donc voilà, je pense pas que ce soit vraiment son domaine de jeu. Donc par contre, là où elle excelle et qu'elle est god tier, tous les donjons en dehors de l'araignée, toutes les vagues de la tour du malheur, également les étages des cryptes des factions. Bref, game changers pour vous permettre de gagner du temps sur tous vos runs et du coup bah, d'avoir plus de temps à farmer et aller chercher vos meilleurs artefacts pour tous vos autres champions. Donc plus vous l'avez tôt, prophétesse, plus vous la stuffez tôt, plus vous allez monter votre compte rapidement sur l'ensemble de vos champions grâce aux artefacts et aux étages qui vont vous permettre de passer sur la tour du malheur difficile. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Prophétesse. J'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Laissez le petit pouce bleu qui va bien si ça vous a plu également. Et à vous abonner à la chaîne. Je compte sur votre soutien. C'est gratuit et c'est très important pour moi. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legends. Ciao les potos.